Le Dijon Saiten, le festival manga que j'attends le plus impatiemment chaque année. Et chaque année, c'est génial. Cette année a été un petit peu spéciale vu que j'ai pu être membre du staff, donc je peux parcourir un petit peu le lieu en avance, parler à des personnes, ainsi qu'aux invités. Et je peux vous dire que c'était génial. Ce qu'il faut savoir par contre, c'est que lorsque vous voulez aller dans une convention le jour des One, c'est qu'il y a beaucoup de queues. Et quand il y a beaucoup de queues, cela peut donner ce genre de problème. Oui, il y a eu cette queue-là. Et je peux vous dire qu'il y en a qui en ont passé 6 heures durant. Et ça doit être extrêmement terrible. Les événements de cette année étaient différents les uns des autres. Enfin, je pense que c'était différent vu que pour une fois que j'étais membre du staff et que je connaissais pas vraiment tout le monde. Pour moi c'était différent, je sais juste qu'il y avait pas mal de choses, il y avait beaucoup de goodies, alors ça est ma vie. Il y avait tellement de goodies, les choses qui m'ont plus marqué, c'était les dessins en chibi de héros manga, il y avait du Naruto, du One Piece, il y avait du Kill la Kill, il y avait pas mal de choses, je pense que j'aurais voulu en prendre, mais finalement non, j'avais pas envie. Ça me plaisait pas, mais j'ai hésité, j'ai failli en prendre. Puis sinon, il y avait pas mal de choses, il y avait des colliers, des anneaux, des pins. Oh, les pins, c'est génial, les pins. Et pas mal d'autres choses. Et aussi un nouveau jeu de cartes. Oui, il y avait un endroit où il présentait un nouveau jeu de cartes type Yu-Gi-Oh. J'espère que ça va sortir en France, mais que comme ça, je verrai ce que ça vaut. J'ai pas parlé des invités, c'est je me rends compte que maintenant on invitait cette année, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Link the Sun qui était venu avec Chachou Panda, qui est très sympathique d'ailleurs, très à cheval sur Pokémon, j'ai pu le constater. Ainsi que l'équipe du Visiteur du Futur, donc il y avait François Descraques, Raphaël, les Cracks. Il y avait pas le héros qui faisait le Visiteur, c'était un peu dommage, il y avait Ludovic aussi. Très sympathique, tout le monde sympa, il y avait aussi une petite FAQ, je pense que si vous étiez si vous n'avez pas pu y aller au Saiten, ce week-end vous avez pu voir les vagues de Ludovic. Le samedi soir par contre c'était la fête, c'était génial, il y avait de tout, par exemple il y avait le Quiz Hentai. J'ai que ça en tête. J'y ai pas participé. C'est vrai. Il y avait aussi pas mal d'événements sportifs, il y avait un tournoi d'e-sport, c'est très intéressant, je n'y suis pas allé vu que la nuit du samedi à dimanche, j'ai campé sur le stand de jeu musical sur du DJ Hero. Je battais quasiment tout le monde. Il y avait un tournoi de Street Fighter 4 très intéressant. C'est pareil, les gars ils sont stressés là, tout de suite. Ah, ouais, ouais, ouais. Stress, ça sent dans le jeu. Ouais, tout de suite. Ah, joli. Le petit pour passer. Attention, j'ai tout ça de Godin. Attention, non mais, c'est à l'hybride de faire attention, tant que ça marche, il continuera. Ah, j'approuve.
pression. Pression atteinte. Là, ouais, là, c'est un pas. Là, je prends une position de pantalon rouge, là. Il y avait un petit concert et il y avait du Just Dance, enfin Just Dance 2, et je peux vous dire que là on s'est éclaté. Il y a aussi un moment que j'ai adoré, c'est lorsque il y a eu un stand qui s'appelait Bulle Japon. J'y suis allé quelques minutes et quand je suis arrivé, c'était l'euphorie. Ils ont passé le générique de la première saison de Pokémon. Je sais pas si c'est moi ou si c'est le fait que je sois né à la bonne époque, mais tout le monde, sans exception, connaissait le générique de Pokémon et le hurlait. Yeah.
peux vous dire que je m'en souviens encore. Évidemment, qui dit festival de manga dit aussi cosplay. Et là, il y en avait des tas, il y en avait des tonnes même. Il y avait des Pokémon, il y avait du One Piece, du Naruto, du tout ce que tu veux. De tous les mangas, de tous les animés. Et il y avait un Denver géant. C'est pas une blague. Maintenant, passons à la partie la plus intéressante pour moi. Les goodies. Et là, autant vous dire que bah, j'en ai pas beaucoup. Voilà, ça c'est fait. Page de pub. Alors, à commencer par le plus gros. La bande dessinée Basse Def, que j'ai trouvé pour 15€ au stand Mobile Manga. Alors, je ne savais même pas que ça existait. D'ailleurs, c'était marqué que il y avait une série Basse Def sur les internets. Je ne la connaissais pas. Je l'ai lu 2-3 fois. Alors, en gros, pour faire simple, c'est une histoire un petit peu... un petit peu tiré par les cheveux, qui retrace en gros les classiques et les succès de la NES, et une deuxième histoire qui retrace le succès de la Game Boy, avec en petit bonus le DVD de la saison 1 qui contient, d'après ce qui est marqué grâce à ce magnifique autocollant rouge juste ici. Alors, Basse Def en dessin animé pixel art, une tonne de bonus, un making of, une heure de vidéo et 90 pages de BD. Sauf que la BD, elle est là, 15€, pas cher, aux éditions Omakebook. Je suis sûr que vous les connaissez. Donc ensuite, on continue avec le petit sachet que l'on avait lorsqu'on entrait au festival. Alors là, c'est contient quoi? J'ai vu quoi? Ah, d'ailleurs, un petit marque-page One Piece que vous avez peut-être vu dans la vidéo. Alors ça s'appelle un Straw Bird, quelque chose comme ça. Enfin, bref, c'est un marque-page One Piece, on voit Luffy en chibi, donc ça c'est un cadeau que je compte faire à quelqu'un. 1€, pas cher du tout. De toute façon, je sais pas ce que je vais faire. Ça, je vous le montrerai à la fin. Alors ça, c'était le petit flyer du festival. Donc, rien de bien intéressant, où ça va, où c'est, des informations, etc. Le livret complet du festival, qui se lit à l'envers, bien sûr, parce qu'on est dans un univers manga où on l'est pas, avec les activités, le planning, les informations, les boutiques, le campus, bref, tout ce que tu veux. Et ça, non, ça c'est juste de la pub. Tant pis. Alors là, c'est ce qui m'intéresse le plus, le t-shirt officiel du Saitai de cette année. Orange et gris avec un panda de derrière et bien sûr marqué staff. C'est beau, c'est magnifique, et en plus la bonne nouvelle c'est qu'il se détend très vite. Ça je m'en fous. Et là, c'était pas en vente, mais bon, une Eco Cup Dijon Saiten, magnifique Eco Cup avec le nom, hop là on l'a vu vite fait, de chaque membre du staff. C'est très beau. Il y a aussi un petit code là, mais je sais pas quoi ça sert. Puis de toute façon mon téléphone ne fait pas ça, donc ça je vais la garder. C'est cool. Ensuite là, bah il y avait mon, donc là c'est le badge. Alors j'enlève mon prénom et mon nom. Le badge de que chaque personne du staff reçoit. En gros, le badge et le t-shirt, c'est l'accès VIP. Ça c'est un bout de papier. Il restait un pins. Alors un pins. 1€ speedrun addict, oui, parce que je fais du speedrun, comme l'en témoigne cette vidéo. Donc allez la voir si vous connaissez rien. Et un autre pins BTS que j'ai gagné sur un petit concours de Dance Dance Revolution. C'est con. Si j'avais été premier, j'aurais pu gagner un CD de J-pop édition extrêmement limitée. Et là, nous avons Link the Sun qui était venu. Alors, attendez, je te prends avec des pincettes. Link the Sun qui m'a fait un superbe plectrum. Je cache mon nom. Tada. Pour une mystère. Alors, nous voyons le signature de Link, celle de Chachou Panda. Et un magnifique plectrum. Merci à toi, Link. C'est très gentil de ta part. Bon, je ne cache pas que j'ai eu en avance parce que bah, je suis membre du staff. Voilà. Et c'est ainsi que cette petite vidéo récapitulative se finit. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout en ma compagnie. J'espère que cela vous a plu.
Si vous avez aimé, alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur Twitter, à laisser un petit pouce vert, à commenter la vidéo si vous étiez là, si vous avez vous aussi des souvenirs à partager de cette édition. Quant à moi, je vous dis à l'année prochaine pour la 11e édition du Dijon Seiten. J'espère que vous viendrez nombreux. D'ici là, bon jeu et à la prochaine.